Parmi les nouveaux aventuriers de cette nouvelle édition de Koh-Lanta, Benjamin a retenu l'attention des internautes. Avec ses cheveux longs et bruns, il leur a en effet évoqué un autre célèbre aventurier. Koh-Lanta est enfin de retour sur TF1. Les téléspectateurs ont pu découvrir, ce mardi 21 février, les 20 nouveaux aventuriers du jeu de survie de TF1. Et ils ont déjà trouvé celles qu'ils vont adorer et détester. Très sûre d'elle et autoritaire, Elena fait déjà l'unanimité contre elle sur la toile. Il faut dire que dans son portrait, la chef de l'équipe rouge a assuré avoir un style de vie parfait. Je sais que je suis une source d'inspiration pour beaucoup de personnes, a-t-elle affirmé. De quoi ulcérer les téléspectateurs. Mais ce n'est pas la seule aventurière qui s'est fait remarquer. Grâce à sa phobie des petites bêtes ont beaucoup amusé les téléspectateurs. Il faut dire que la candidate a préféré dormir attachée à un poteau que près du sol à la merci des fourmis. Un comble pour une personne qui espère tenir pendant 40 jours en mode survie. Benjamin a rejoint l'équipe des jaunes parmi les garçons. Benjamin, le jeune marin venu de Marseille, a aussi attiré l'attention des téléspectateurs. Fier de sa ville, le jeune homme s'adonne à la course à pied, la chasse sous-marine, le football et la pétanque. S'il a participé à Koh-Lanta, s'y est-il pour réaliser le rêve de son père, son mentor. Celui-ci est en effet dans l'incapacité physique de participer à une telle aventure. Benjamin entend donc le représenter. Il a rejoint l'équipe des jaunes, qui a malheureusement échoué à l'épreuve d'immunité. S'il a été plutôt discret dans ce premier épisode, avec ses cheveux longs et bruns, Benjamin a évoqué aux téléspectateurs de TF1 un autre célèbre aventurier de Koh-Lanta. Ils ont en effet estimé qu'il ressemblait à Tea Yura. Une ressemblance physique pourtant assez lointaine, que les internautes n'ont pas manqué d'épingler et qui les a énormément amusés. Tea Yura de retour dans l'aventure? Les internautes ont ainsi imaginé qu'il pouvait s'agir du fils du Polynésien. Pour d'autres, le candidat est revenu incognito pour enfin décrocher une victoire tant méritée dans le jeu. Tea Yura qui essaye de passer en mode incognito pour gagner cette année, quand la prod veut vraiment faire gagner Tea Yura, ont-ils commenté. Et certains se sont imaginés que Benjamin pouvait être le fils d'illustres participants de l'émission. Le fils de Tea Yura et Clémentine. Il faut persévérer comme Sam. La preuve, l'enfant qu'il a eu avec Tea Yura est dans l'aventure, se sont-ils amusés. Petit lifting pour Tea Yura hashtag Koh-Lanta Peak. Twitter.com/pikzakiouf, Audrey Deschamps @Audrey28, February 21, 2023. Ils ont mis le fils de Tea Yura hashtag Koh-Lanta, @WhyNotLaResta, February 21, 2023. Benjamin le prochain Tea Yura. Hashtag Koh-Lanta Peak. Twitter.com/RVSP8N8Lay, Baptiste D. France, @Bapt3737, February 21, 2023. Tea Yura qui essaye de passer en mode incognito pour gagner cette année. Je pleure, visage avec des larmes de joie, visage qui pleure, visage qui pleure, visage qui pleure, hashtag Koh-Lantalfezak, hashtag Koh-Lantalfezak, hashtag Koh-Lantapik. Twitter.com/litimafuiture, devant Harry-base-officiel @devant-ario, February 21, 2023 le fils de Tea Yura et Clémentine hashtag Koh-Lanta Peak.
twitter.com/8x8sfrbj, David Lyon, visage chat romantique, à arc-en-ciel, @davibonnet14, février 21, 2023. Il faut persévérer comme Sam. La preuve, l'enfant qu'il a eu avec Teayura est dans l'aventure, #ColantaPic. twitter.com/upscrixmap, @sumokiedo, février 21, 2023. Teayura en t'a cramé frérot, #ColantaPic. twitter.com/xode2zacle4o, Materon, Tornade, @Materon, février 21, 2023. Le nouveau Teayura de cette saison, #Colanta, #Colanta le feu sacre pique. twitter.com/f5xa9ifix, Fabichaud @Fabien-Bafichaud, février 21, 2023. Quand la prod veut vraiment faire gagner Teayura, #ColantaPic. twitter.com/xefebze, Matteo, sonnette, @MatteoSurtiW3T, février 21, 2023. Ils ont mis le fils de Teayura, #ColantaT, why not la resta, février 21, 2023. Teayura il a changé, #ColantaPic. twitter.com/nctoxiv52, po, cœur, feu, @xplicilxuran, février 21, 2023. Mounodir et Teayura, on vous a cramé, #ColantaLfeuzac, #ColantaPic. twitter.com/ul9opkmi, becaillo, @romarom2, février 21, 2023. Benjamin le prochain Teayura, #ColantaPic. twitter.com/rvsp8n8lay, Baptiste D, France, @bapt3737, février 21, 2023. À lire aussi, elle a le melon, la clémentine de cette saison, Elena, Koh-Lanta, 2023, agace les internautes dès le premier épisode.